Les bandits voulaient vendre de l'eau aux gens à des conditions inacceptables. Je leur ai donné une bonne leçon. Mais ils ont dû fermer la vanne principale et la tuyauterie va exploser si je ne la trouve pas rapidement. Salut tout le monde et bienvenue pour l'épisode 2 sur Dying Light The Following. Donc la dernière fois on s'est arrêté ici. Si vous vous souvenez bien, j'ai fermé la vanne principale pour arrêter les problèmes de tuyauterie là, de plomberie. C'était bien cool. D'ailleurs c'est comme ça que j'aurais dû appeler le premier épisode. Problème de plomberie. Il y en a un qui m'a marqué ça dans les commentaires, ça m'a bien fait marrer. Donc aussi, comme certains auront pu le remarquer, j'ai eu un petit problème durant le premier épisode. C'est qu'apparemment, les voix des PNJ étaient pas fortes, comparées à la voix de mon personnage principal. Alors ce qui est bizarre, c'est que moi je les entends super bien dans mon casque. Et effectivement, au montage, j'ai vu qu'on les entendait vraiment pas fort. Donc je vais essayer de régler ça pour cet épisode. Donc, oh putain, là il fait nuit. Si vous vous souvenez bien, la dernière fois, je devais retourner à la ferme, parler à Jazir. Donc on va tout de suite aller faire ça. Trouver la foi par la Jazir, c'est parti. Oh putain mon vieux, le son il est à fond dans mon casque là. Et alors on va allumer les phares. Ça c'est impeccable, oh yes, nickel. Allez on est parti, go. On va aller jusqu'à la ferme. On va aller parler à notre petit Jazir. Ça va être bien cool. Ah bah en fait, elle est à côté la ferme. Non. Ah non, j'ai l'impression que plus j'avance. Ah non, elle est là. Ah mais en fait c'était vraiment juste à côté putain. Je pensais que c'était plus loin que ça moi. Excellent. Les points de compétence gagnés double pendant la nuit. Ouais ça je m'en souviens. Donc impeccable, allez vas-y. Ok. Donc moi j'entends super bien là les gens qui parlent. Donc j'espère que vous les entendrez bien. Salut étranger, tu cherches quelque chose? Qu'est-ce que c'est que ça mon vieux? Hein? Qu'est-ce qu'ils ont? De l'eau? Qu'est-ce qu'il y a? Ça pleut? Ok, d'accord. Alors, Jazir. Alors, on va tout de suite voir si on entend bien les PNJ. Moi, je les entends bien. On verra si le bug a été réglé. Allez, Jazir, qu'est-ce que t'as à me dire? Donc, du coup, j'ai fait une petite coupure. Je me suis encore rendu compte qu'on n'entendait pas les voix des PNJ. J'ai réglé le souci. Pour vous, ça aura duré une fraction de seconde. Pour moi, ça a duré toute l'après-midi. Mais ceci est une autre histoire. Allez, on est parti! Qu'est-ce que tu nous dis, Jazir? Jazir, Aran. On n'a plus d'antisine. Je cherche tout ce qui pourrait sauver mes amis. Si t'as quelque chose... Nous avons quelque chose, oui. Notre foi et nos prières pour la mère. La foi? Sans vouloir te manquer de respect, t'es en train de me dire que des prières vous empêchent de vous transformer? Le manque de foi, c'est ça ton problème. Comme tous les étrangers. Nous croyons en la mère, et elle nous protège. Nous n'avons pas besoin de votre anti-bidule. D'accord, d'accord. Bon. Antisine, s'il te plaît. Alors, peut-être qu'il y a un moyen de parler à cette mère. Elle est sacrée. Elle ne parle qu'avec ceux qu'on nomme les sans-visages. Cela dit, peut-être. J'ai bien dit peut-être qu'il pourrait te remarquer. Si tu te mettais au service de la communauté. Au point où j'en suis, je prends tout. Alors, il s'agit de quel genre de service? Qu'est-ce qu'il y a à faire par ici? Tu es sérieux? D'accord. Moi, je m'occupe de cette ferme. Mon ami Bidal, il protège la station essence, près de la ville. Fais le tour des lieux. Tu trouveras bien de quoi t'occuper. Niveau de confiance. Le seul moyen de découvrir les secrets des enfants du soleil est de vous faire accepter des sans-visages. Les plus dévoués protecteurs de la mer. Terminez des quêtes, aidez les gens que vous rencontrez, sécurisez des zones, etc. pour augmenter votre niveau de confiance. Très bien, on est parti. Allez. Donc, allez voir Bidal à la station essence. Alors, brisez instantanément plusieurs prises sans subir de dégâts. Ça, c'est des objectifs qu'il va falloir que je remplisse au fur et à mesure de mon avancement dans le jeu. Il est où mon Beggy? Où est-ce qu'il est mon Beggy? Ah bah il est derrière, c'est vrai, j'avais oublié que j'avais foutu là-bas. Donc du coup, bah oui, ça fait jour en fait, vu que j'ai redémarré le jeu suite au problème avec mon logiciel de capture. Allez, c'est parti. Let's go. J'ai fait le plein du Beggy, donc ça c'est bien cool. On me l'avait dit dans les commentaires qu'on pouvait faire le plein. J'avais même pas remarqué à la première fois que j'y avais joué. Allez c'est parti, défi destructeur, maintenez l'accélérateur pour... Pour faire quoi? Pour démarrer le défi je crois. On va couper. Ça va être bien cool par là. Allez vas-y, c'est parti, impeccable. Là, ça, ça dégage. Voilà. Dégage de là, merci. Léna, tu m'entends? Léna. Ah. Craig, tu vas bien? Ouais. Je vais bien, écoute-moi, ton patient avait raison. Ici, il y a ce groupe, tous ses membres semblent immunisés contre le virus. Immunisés? Comment ça?
Je prends la cascade. Je sais pas, ils sont protégés par une sorte de chaman local, la mer. Ils communiquent que par ses prêtres. Je vais essayer d'établir le contact avec eux. Ils font pas du tout confiance aux étrangers. Ok, ça marche, Lena. J'y veillerai. Les trucs bleus, donc ça, c'est des petites quêtes annexes qu'il y a dans le radar, là, qui peut se passer aléatoirement un petit peu au fur et à mesure du jeu. Pour l'instant, on va laisser ça de côté. Moi, je vais aller voir Bilal à la station essence. Et hop là, petit coup de frein à main. Tiens, on va se garer à la pompe à essence. Donc, bien sûr, j'ai déjà fait le plein du buggy. Pour faire le plein du buggy, en fait, on fait comme ça. Hop, on prend un petit jerrycan d'essence. On va à l'arrière. Et hop là, voilà. Le buggy a le plein, impeccable. Pour le réparer, c'est pareil, on va à l'avant. Hop. Et là, j'ai mis deux petites pièces de niveau 2. Donc, je vous dis ça parce que je l'ai déjà fait tout à l'heure, en fait. Donc, ça, c'est impeccable. Allez, vas-y. Let's go. Go aller voir Bilal. Salut, salut. Bonjour. Allez, vas-y, rentre voir là-dedans. C'est parti, let's go. Pardon, c'est vous le patron ici? Non. Hey, Nouri, tout va bien, mon gars. Tiens, voilà. Je suis Bilal, et lui, c'est Nouri, mon frère. Kyle Crane. C'est un plaisir de... Oh, pardon. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Kyle? Eh ben, il paraît que les gens d'ici ont besoin de quelques coups de main. Ah oui, Jazir m'a dit que tu viendrais. J'ai entendu parler de toi. J'essaie simplement d'aider les gens qui sont en ville. Eh, hey, aider les infectés, c'est pas la peine de m'expliquer ça à moi. Je comprends. Mon frère a été mordu il y a 2 mois. 2 mois? Mais il s'est pas transformé? Moi non plus, j'arrivais pas à y croire. Mais il est bien là, toujours en bonne santé, pas comme cette épave. Regardez ce tas de ferraille. Jazir ne ment pas. On a vraiment besoin d'aide. Hé hey mec, je suis carrément jaloux de ta caisse. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un véhicule en état de rouler. Tu sais quoi? Si tu me le ramènes de temps en temps, j'y jetterai un coup d'œil. Pour voir si je peux améliorer des trucs. Le rendre encore plus ah, cool. Ah, ça c'est pas mal ça, oui. Effectivement, ça m'intéresse. Ça m'intéresse bien ça. Si tu veux nous être utile, prends-en soin. Je suis pas mécano, hein. Okay. Loin de là. Coup de chance que je sois là alors. Bon, voici ce que tu vas faire. Ça va faire beaucoup de route, mais tu le regretteras pas, promis. Il y a un camion de silas échoué sur le bas-côté d'une grande route. Va jeter un coup d'œil et rapporte-moi toutes les pièces qui pourraient nous servir, ok? Ça marche, Bilal. Aidez les autochtones pour que les sans-visages vous remarquent. Merde, il n'y a plus de courant, on dirait. Seigneur. On y travaille. Ok, d'accord, ça marche. Il est où mon buggy? Il est où mon buggy? Il est là-bas. Très bien. On va dégager de là. Hop. Il est où le buggy, là? Ah oui, c'est vrai, je l'ai garé à la pompe à essence. Hop, on va aller voir son camion, là, qui nous dit... Ok, allez, on est parti. Hop là, on passe par là. Sébastien Loeb, rentre en action les gars, c'est parti. Let's go. Alors j'ai pas le G25 de branché sur Dying Light. Mais même avec la manette de PS4, vous inquiétez pas, ça gère. Allez, c'est parti. Lui on va le laisser de côté là, ce point bleu pour l'instant. On verra ça plus tard. Une fois qu'il se sera bien fait manger par les zombies. Peut-être que ça ira mieux pour lui. Allez hop, petit drift, impeccable. Ça gère, petite cascade. Ça manque un petit coup de nose, hein. Ok, d'accord. Très bien. Très bien, ça se passe là-haut. Comment je vais faire pour monter là-haut, moi? Oh non, ça dégage, ça dégage. J'ai pas le temps, mon vieux. Tiens. Toi, ben t'accrocher, là, quand même, Crane. Ah, bah oui, putain, j'ai cru qu'il allait me faire un mauvais coup. Oh, merde, désolé. Salut. Sans blague. Salut, salut. Ouais. Je cherchais juste des pièces pour ma voiture. Je comptais pas voler quoi que ce soit, je le jure. Parlez au camionneur. Si t'as besoin de pièces, tu peux les acheter. Je m'appelle Jacob Graves. Gary ouais. Crane. Enchanté. Alors que les choses soient claires, toutes ces pièces sont à moi. Si tu veux quelque chose, il va falloir ça marche. Payer. Compris. Ça marche. Allez, vas-y, qu'est-ce que je t'achète, mon vieux? Parler de la centrale électrique, machin, tiens-moi au courant. Ça... Bah vas-y mon vieux, moi je suis pas regardant sur les prix, allez vas-y. Allez hop, je t'achète tout mon vieux, si c'est ça que tu veux. C'est bon? Ça y est? Ça te fait plaisir? Impeccable, on y va. Allez. Parler de la centrale électrique à Bilal. Très bien, donc faut que je retourne voir Bilal. Oula.
Oul. Oul. Oh. En deux coups, j'ai réussi à le faire. Allez hop. C'est parti. On est reparti voir Bilal. On va prendre un petit raccourci, vous inquiétez pas. Je connais des petits raccourcis, moi. Hop, regardez, on va passer par là. Hop. Regardez ça. Impeccable. Ça passe crème là-dedans, mon vieux. Hop là, nickel. Bon, bah, impeccable. Nous revoilà à la pompe à essence. Alors, mon petit Bilal. Tiens, ça se dégage. Voilà. Ça te fera bien les pattes, ça. Le bordel, mon vieux. Bah, il est énorme, le machin. Prends ça. Suppos de Satan, va. Tiens. Prends ça, mon vieux. Ça te fera les pattes. Il est malade, lui. Mais il a plus de braille. Tiens, alors. J'espère que ça te fait bien plaisir, ça. Tiens, toi. Prends ça dans ta tête. Voilà, mon vieux. Moi, ça se passe comme ça. J'ai pas le temps de rigoler avec ce machin-là. Bah, vas-y. Bah, je me casse. Je me casse. Regardez. Hop, je vais faire une petite cabriole. Hop là. Impeccable. Alors. Eh ben, impeccable. Alors, Bilal. Oh, petite récompense de la peinture, je prends. Alors, très bien. Qu'est-ce que je peux faire? Tiens, commence par apporter ce fusible à Ali, à l'usine. Sans ça, il peut rien faire. Une fois que tu lui auras donné le fusible, on devrait récupérer du courant. Enfin, s'il s'électrocute pas entre-temps, bien sûr, hein. Mais ce type est un peu taré. Une fois, j'ai vu un type qui essayait de retirer une ampoule cassée de la douille en utilisant un tournevis en acier. Le courant avait pas été coupé, évidemment. Ouais, c'était sûrement Ali. Mais bon... Il est comme ça. Alors, résumons. Deux choses. Déjà, tu vas lui apporter ce fusible. Et ensuite, il va falloir un isolant électrique pour éviter que le fusible grille direct. D'après lui, l'ancien devrait tenir, mais... Franchement, j'ai un gros doute. Ok, ça marche. Trouver un isolateur sur le poteau électrique. Vas-y, pas de problème. On y va. On est parti faire ça. Tiens, on va passer... Merde. On va passer que je suis de la merde là, attends. On va passer par là. On va prendre un genre de petit raccourci. Il est où mon buggy? Il est où mon buggy? Il est garé en bas? Ah oui, ok, d'accord. Allez, vas-y. C'est parti. Merde. Allez, hop, ça passe. Hop, on reprend des petits raccourcis. On passe dans les bois. Ouais, moi j'aime pas passer par la route. Je préfère passer par les chemins de terre. Hop là, regardez ça. Bah, je crois bien que j'ai dégondé un zombie au passage. Oh putain, c'est encore en hauteur. Quoi? C'est là? Oh putain, le monde. Ok, d'accord, je crois qu'il va falloir que je monte là-haut. Très bien. Allez, ça dégage. J'ai pas le temps, mon vieux, dégage. On va... Allez, saute. On va dégager de là. Je me fais malmener. Mais il est en train de péter mon... Il est en train de péter mon buggy, lui. Tu vas te détendre, toi, mon vieux, là. Oh. Alors, salopard. Putain, il est en train de péter mon buggy, ce salopard. Allez, vas-y, monte. Vas-y, ça passe. Ça passe. C'est quoi l'isolateur alors? Je vais me casser la gueule. Je vous raconte même pas. Alors, vas-y, donne. Non, je me suis trompé de bouton. Carré. Ok, d'accord. Ah, ok, d'accord. Très bien. Oh putain. Il fallait le savoir. Hein. Ah bah voilà, c'est bon. Je vais tenter un truc de malade. Je vais tenter un truc de malade. Non. Non, non, ça va pas le faire. Par contre, je peux faire ça. Et je peux faire... Je peux faire ça. Yes. Par contre... Ok, d'accord. Ouais. Faut que je prenne ça. Allez voir Ali à la centrale près du barrage. Ça marche. Je reprends mon buggy. Il est où mon buggy? Il est là. Allez, vas-y. J'allume les phares. Et on est parti. Dégagez. Putain, c'est pas vrai, ça. Bouge tout le temps la route, ces machins. Bah, il m'a l'air bien virulent, lui. Tiens, dégage. Il m'a craché un truc dessus.
J'ai failli crever. J'ai perdu quasiment toute ma santé. Nid rapace. Les nids sont des viviers à rapaces. On en trouve un peu partout dans la campagne. En les détruisant, vous réduisez la population de rapaces et rendrez la nuit plus sûre pour vous et pour les habitants. Attention toutefois, car les nids sont remplis de rapaces en journée. Vous aurez plus de grandes chances de réussir en agissant de nuit. Ouais, hein. Les rapaces. C'est tranquille hein, pour l'instant. Moi, je leur veux pas de mal à ces pauvres bêtes. Je vais juste rapporter le fusible à Bilal. Quoi qu'attends? C'est ça? Attends, il y en a peut-être là des rapaces. C'est plus bas. C'est hier, je prends un bandage. Attendez, je suis où là? Je suis dans un nid de rapace. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Vas-y, on va descendre tranquillement. Tranquillou. Vous entrez en zone sombre. Je repars. Ça va, c'est bon. Je m'en vais, c'est bon, je m'en vais. Regardez-moi ce machin. Prends ça, mon vieux. Je me casse de là. T'es malade, toi. Ils veulent que j'aille là-dedans, c'est des fous. Je veux pas là-dedans, moi, t'es malade. Allez, vas-y, fais-moi sortir de là, là. Non. Rends-moi mon buggy. Il est où, mon buggy, là? Non, je me casse de là, moi. Ils sont pas malades, les rapaces. On va les laisser rapacer bien tranquillement. Voilà. Moi, je prends mon buggy. Et je me casse. Attends, par contre, là, je suis parti un peu dans les montagnes, j'ai l'impression. J'ai comme l'impression que je me suis à moitié perdu, là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vais descendre. Comment je fais pour passer là-dedans, moi? Ça passe, hein. C'est un buggy, hein. Aïe. Ce bordel, mon vieux, je me casse de là. Vas-y, roule. Putain. Oh, le délire. Mais regardez ça, il est complètement cheaté, le machin. Il va plus vite que mon buggy. Il me rattrape, mon vieux, mais roule. Mais il avance pas, ce buggy. Regardez ça, ils sont... Non. Ah. Seigneur, je me suis trompé de bouton. Merde, je suis mort. Attends, mais t'as pas vu le bordel, toi? Il court plus vite que mon buggy, mon vieux. C'est ces machins-là, là. Regardez ça. Le bordel. Putain, mon vieux. Je vais crever. Il va me voir. Non? Oh putain, il m'a même pas vu. Oh putain, s'il m'a vu. Vas-y, monte là. Allez, avance. Mais regardez ça, comment tu cours, quoi. Mais c'est juste de la triche. Attends, il va plus vite que le buggy. Attends, parce que je sais pas où je suis parti en fait là. C'est ça le délire. C'est bon, je les ai semés. Comment que c'est chaud. Puis il y en a un autre là. Vas-y. Merde, avance. Dégage. Vas-y, je vais passer par la route. Regardez ça, mais à la vitesse où il va, le machin. Oh là là, mon dieu, je sais pas où je m'en vais. Allez, vas-y, je prends là. Vas-y, ça saute. Ça passe. Vas-y. C'est impeccable. C'est bon, ça a nettoyé le buggy. Salopard, tiens, vas-y, prends ça.
Je me casse. Vas-y. Merde. Non. Putain, mais elle est loin la station essence là. Vas-y, bouge pas, je prends une petite cascade. C'est bon. Putain, il me suit, hein. Regardez ça, comment qu'il arrive en courant le machin. Regardez ça, ouais bah faut d'abord que j'aille voir Bilal mon vieux. Je vais lui donner son essence. Vas-y, je vais passer par là. Vas-y, je vais essayer de le semer. Dégage toi. Il est mort mon buggy. Il est rincé. Je vais couper. Ouais, GG. Merde. Vas-y. Mais dégagez sérieux. Mais comment tu veux que je les sème avec un buggy qui avance pas. Par contre, mon buggy, il a moitié secoué là. Ouais, tout réparé. Vas-y. Ah bah oui, tiens mon vieux. Ah bah il a déjà un peu plus la patate là. Tu m'étonnes. Par contre, oh ça passe là. C'est un buggy. Hein. C'est censé passer partout. C'est du tout terrain. Allez. Yes, excellent, ça fait bientôt jour. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouh, je me casse. Je me casse. Ils vont escater mon buggy. Merde. Merde. Dégage, dégage, dégage. Dégage toi, dégage. Oh, comment que je suis en train de me faire malmener. Vas-y, je vais passer par là. Mon vieux, je comprends rien à ce qui m'arrive là. Vivement que je rentre chez Bilal là. Qu'il me fasse un bon petit café. Qu'on se mette bien au chaud. Et qu'on laisse passer la nuit. Parce que là, franchement, ça commence à devenir bien tendu l'affaire. C'est quoi ici là? Mais je peux pas passer. Attends, je suis où là sur la map là? Bilal? Ah non, c'est pas Bilal. C'est Ali qu'il faut que j'aille voir. Bah oui. Bah c'est bon, je suis arrivé là. Ah ok, d'accord. Bah, je pense qu'on va se garer ici. Hein. Oh putain. Tiens, on va regarder ça. Moi, on m'appelle John Cena, moi. Tiens. Prends ça. Prends ça. Je m'en vais. Ouais, je m'en vais. Je m'en vais. Vas-y, monte. Monte, monte, monte. Tiens, dégage de là, toi. Je vais passer ici. Il est où, Ali, là? Vas-y, monte. Il grimpe pas, hein, c'est bon. Oh, putain, mais qui c'est qui a ouvert la grille, bon sang? Il est où, Ali? Tiens! Je me casse. Je me casse. Il est où? Ah, il est là-bas. Ok, d'accord. Toi, tu dégages, mon gars. Tu descends en bas. Il est où, Ali? Bah, il est là. C'est lui. Mais qu'est-ce qu'il fout au milieu de tous les zombies? Bah, tu vois, mec, il est pas bien, lui. Dégage, toi. Dégage, tiens, dégage, toi. Merde. Mais qu'est-ce que tu fous là, mon vieux? Vas-y, je reste derrière lui. On dirait qu'ils aiment pas ça. Je vais rester derrière lui, hein. Hein? Ah bah voilà, putain, mais il était là, je l'ai même pas vu, lui, depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Tiens, tiens, Kyle Crane en personne. Content de te voir. Ce bordel, comme tu dis, c'est la bénédiction de la mer. C'est un sans-visage. Super, j'ai une question à lui poser. Ne le dérange surtout pas. Ce sont ses prières qui nous protègent. D'accord, d'accord, je vais pas le déranger. Mais j'ai un truc pour toi, de la part de Bilal. Quel enfoiré. Donc c'est bon? Tu vas pouvoir remettre le courant? T'as besoin d'autre chose? Puisque tu poses la question... Oui. Quand cette antiquité a lâché, le disjoncteur a dû s'enclencher. Il faudrait relancer le circuit. Il est où ce disjoncteur? À l'intérieur du barrage. J'ai quasiment fini. Alors grouille-toi, s'il te plaît.
Vas-y, ça marche. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? D'accord. Entrer dans le barrage. Ok, faut sûrement que j'aille là-bas. Dégage-toi. Hop, on va allumer un brin de la lumière. Allez. Y a moyen de fermer la porte par contre? Ouais. Bah vas-y, hein. On va descendre. Ok. Sûrement que je rentre là-dedans. Le délire. Pourquoi il n'y a jamais rien qui marche du premier coup? Prends ça, mon vieux. Tiens, le bordel. Il est où? Tiens, prends ça, salopard. Putain, mais il est blindé. Comment que je suis, moi? Les patates qui met, mon vieux. Vas-y, cours. Cours, 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 cours. Oh! Tiens, je suis tombé. C'est peut-être pas une bonne chose, je vais remonter, tiens. Ok, c'est bon. Bah j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de l'utiliser. Vas-y, il s'est cassé la gueule, j'en profite. Vas-y, vas-y. Allez, j'y suis, je vais réactiver le disjoncteur. C'est bon. Super. Ça marche pas? Essaie de trouver le tableau principal. Il doit être pas loin. Fais vite, je t'en prie. Ouais, bah, je vais voir. Hein. Vas-y, hein. Merde, bah, du coup, c'est en bas. Ok. Merde, putain, je me suis cassé la gueule, moi. Il doit être par là. Ouais, ouais, j'y vais, j'y vais. Je l'ai trouvé, c'est bon. Applicable. Retournez voir Annie par les égouts. Ok, faut que je plonge là-dedans? Non, ok, j'ai compris. Je plonge. Oh, il y a peut-être bien quelque chose sur lui, de l'alcool. Tiens. Ok. Donc, par où je vais passer? Ah ouais, il y a un truc là. Ok, allez, vas-y, ouvre ça. Yes, impeccable. Ça a pas l'air de s'ouvrir. Ah si, impeccable. Yes. Et wow là là, c'est dégueulasse là-dedans, hein. J'ai réussi à me plonger, mais le sans visage est resté dehors. Je sais pas ce qui se passe. J'arrive. J'arrive, j'arrive. Oh, regardez ce machin, il est virulent. Dégage-toi. Tiens. Je vais monter. Allez, on va essayer de remonter là-haut. Bon, bah, impeccable, on y est, il y a mon buggy. J'arrive, j'arrive. J'arrive, me v'là. Ah, bah j'aurais même pu rentrer avec le buggy là-dedans. Carrément, quoi. Il est où? Ah, bah c'est qu'il est. Bah c'est qu'il est coincé là-dedans. Ah, ouais, il est coincé là-dedans. Allez, j'arrive. Vas-y, ouvre! Bah, quand il y aura plus de danger, putain, il est vachement sympa lui. Il me laisse avec des virulents. Tiens, tiens. T'inquiète pas, mon vieux. Je vais te l'exterminer, moi, le danger. Tiens. Oh, bah, ceux-là, ils sont. Hop là. Vas-y. Et voilà. Alors, c'est bon. Vas-y. Ouvre. Ah, ok. Tu peux sortir maintenant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'en ai aucune idée. Il nous a dit qu'il fallait partir. Il m'a emmené ici. Il m'a dit d'aller à l'intérieur et de me barricader. Il est mort à présent. Que la mer le bénisse. Allez, on y va, Ali. T'avais un truc à finir, non? Oui, j'avais quasiment fini. Il restait plus qu'à appuyer sur des interrupteurs. Je monterai la garde pendant que tu finis le boulot. T'es prêt? Ouais. Allons-y. Plus vite, on en sera débarrassé. Ok. Parler à Ali, c'est bon. Protéger Ali. Bon, bah vas-y. Hein. Allez, viens. C'est moi qui monte la garde. Vas-y. Par contre, je vais réparer ça. Hop, voilà, impeccable. Allez. Ça y est? T'as fini?
Bon, ça va, y a personne. Bon, bah écoutez, je vais monter la garde. C'est parti. Oh bah. J'ai presque fini. Bah tiens. Oh! Oh, y a un avion. Oh! Ok. Allez, vas-y, c'est parti. Je vous attends. T'inquiète, mon gars. J'ai réparé mon épée. Ça devrait y aller. Ça devrait le faire. Vas-y, dégage. Dégage, toi. Dégage. Dégage. Tiens. Tiens. Alors. Alors, tu veux goûter? Tiens. Et toi? Tiens. Alors, qui c'est qui veut goûter encore, là? Tiens. Je veux goûter, je veux goûter. Je vais me faire défoncer, là. Je vais me faire défoncer. Merde, 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 merde. Je vais me faire défoncer. Putain! Vas-y, grimpe. Oh! Vas-y, utilise un kit de soins. C'est bon, impeccable. Allez, vas-y, on est reparti. Allez. Alors. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Tiens. Qu'est-ce qui vous arrive encore, là? Tiens. Alors. Il est où, Ali, là? Il est là? Allez, là. Pêche-toi, mon vieux, là. Encore un petit instant. Tiens. 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 Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y en a encore un qui veut faire le malin? Attends, tiens, regarde-le, lui. Lui, je voulais le renvoyer en bas. Ah bah c'est qu'ils montent par là, les salopards. Tiens. Ils montent ici? Ils sont où? Alors? C'est bon? Ok, par là, Ali. Allez, vas-y. C'est bon, le courant est rétabli, alors? Pour le moment, oui, c'est bon, mais... T'as vu l'état de ce matos? Je sais pas combien de temps ça va tenir. Je comprends. Allez, je sors. Tu viens avec moi? Non, y a plus de danger, ici. Je vais rester un peu dans le coin. Surveiller tout ça. Histoire que ça tombe pas en panne dès que j'aurai le dos tourné. Vas-y, ça marche. Ah bah, impeccable. J'ai encore gagné des trucs de confiance. Vous êtes désormais un nouveau venu. Ah yes, c'est bon ça. Aidez les autochtones pour que les sans-visages vous remarquent. Eh ben c'est bon ça. Donc repartez voir Jazir. Ok. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter ici pour cet épisode sur Dying Light. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Et moi je vous dis ciao tout le monde. Bye.